Agri vient y voir l'innovation. On vient chercher l'innovation. On peut voir le matériel en action, au travail. Avoir un contact direct avec le client, parler de nos problèmes sur les machines qu'on a déjà. Ce qui nous intéresse, on essaye de voir, découvrir la machine en mouvement, quoi. Ce qui est vraiment exceptionnel ici, c'est qu'on peut avoir un contact direct avec le fournisseur qui nous permet de voir les machines en situation tout de suite. Et pour ça, c'est formidable. InnovaGri, à l'origine, ça a été créé dans l'esprit de innovation. Donc on voit toutes les dernières innovations de chacun. L'avantage InnovaGri, c'est déjà que c'est un salon au champ. Donc c'est un des rares qui est au champ. Et surtout, c'est le plus grand sur l'aspect grande culture. Il est historiquement reconnu, il y a beaucoup de visiteurs. Le gros intérêt d'un salon comme InnovaGri, c'est de permettre de montrer nos matériels en conditions réelles d'utilisation grâce aux parcelles de démonstration que l'organisation nous propose. InnovaGri, c'est un point de contact pour tous nos clients. Ici, nos matériels sont en action, on a l'opportunité de faire des démonstrations. Les agriculteurs aiment essayer et voir eux-mêmes leur tracteur en utilisation. Et donc là, ils ont l'occasion de voir non seulement le tracteur, mais aussi de l'essayer. Je pense que l'agriculteur est beaucoup plus à l'aise. Il est, comme on dit, les pieds dans les bottes, surtout aujourd'hui. Et il est beaucoup plus à l'aise. Il est vraiment dans ses conditions, comme s'il était, je dirais, chez lui, dans son exploitation. InnovaGri, c'est l'occasion de présenter des nouveautés, bien sûr, puisque c'est aussi le premier salon de rentrée. À fond sur les nouveautés, deux gammes de moissonneuses batteuses et une gamme de tracteurs sont lancées sur le salon, non pas en avant-première nationale, mais en avant-première mondiale. On profite du salon InnovaGri pour présenter des nouveautés ou des évolutions. Cette année, c'est un salon un peu particulier pour nous, puisqu'on refait complètement notre gamme d'Axial Flow, donc de moissonneuses batteuses. Et il est évident que, d'ailleurs, on a profité d'InnovaGri pour faire le lancement européen de ces moissonneuses batteuses-là, puisque la France est un gros marché pour nous. Et qu'en plus, c'est donc l'occasion pour nous de montrer l'entière gamme en conditions réelles de récolte, en fait. Hein. Terrain et une présentation visuelle. Il y a du choix à découvrir. Hein. On cherche à travailler le moins possible, avoir une efficacité le plus possible. En tant que concessionnaire, on voit un peu plus le matériel de nos concurrents. Ça reflète une grande partie de l'agriculture. C'est très beau. Ça serait dommage de passer à côté, quoi. L'importance des énergies renouvelables est plus conséquente que les années précédentes. Ouais. Dû à la hausse des énergies, que ce soit fuel et niveau de l'engrais également. Je pense que oui, le public est aujourd'hui sensibilisé par tout ce qui est développement durable, énergie renouvelable. Comme tout le monde, il s'aperçoit du coût de l'énergie, donc sont intéressés, cherchent à économiser leur installation au niveau de l'énergie. Et puis aussi, ils pensent aussi à la planète. Vous savez, l'agriculteur n'est pas que celui qui pollue, il est aussi celui qui préserve la planète, qui va gérer l'environnement. Il y a plusieurs sortes de produits. Aujourd'hui, l'intérêt primordial est porté sur le solaire photovoltaïque. La méthanisation. Également le solaire thermique. Et tout ce qui va être consommation combustible, donc chaudière, bois. Donc je pense qu'il a tout à fait conscience de son rôle d'aujourd'hui et futur. Et de ce fait, l'intérêt se porte forcément sur les énergies renouvelables.
Je dirais qu'il y a eu un vrai changement dans le salon déjà en arrivant ici à Outerville en 2000, puis en 2002 quand certains ont commencé à faire des grands stands. Ah ben nous on voit une évolution en termes de surface, en termes de fréquentation. Ouais, tous les deux ans c'est vraiment incontournable, il est évident que encore une fois c'est un salon qui est très installé. Et depuis 2004, nous avons tous pris conscience, nous les constructeurs de machines agricoles, que Innovagri est devenu un salon incontournable. Et depuis 2004, chacun déploie chaque année des moyens plus importants pour attirer plus de clients chez lui. Je pense que c'est un salon qui a de l'avenir. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des gens de l'usine Amazon qui ont l'occasion de visiter beaucoup de salons en Europe et ils m'ont dit que c'était le plus beau show de l'Europe pour la machine agricole.